Anglican, mes chers amis. Finalement, DCPJ découvrit c'est l'église épiscopale d'Haïti, Cap Van, Bazan 400 Marozozam à Katouche, et puis ISO 5 secondes. Mes chers amis, ça que je vais faire entendre la capable, faire trembler, parce que je ne vais pas arrêter de faire une vidéo sur ça, qui est capable de penser l'église en tant qu'impliqué. Nan van nan bandi zam ak katouchan pou mete peyi d'Ayiti nan sa liye jounen jodi an la. Rete konekte mbral bo gade, mbral bo tande, travayan l'eglizan episkopal d'Ayiti, mes chers amis. Yo lot bo Jimmy Danger ki gen chol lan ki rele Oyes Show, kapaban nan gwo kouri la nan peyi Canada. Apre misye fin fon glissad la, li ta pren gwo l'ajan nan mes chers gang ISO pou fè promotion pou li. Yon dossier Hervé La Plante déjà prend en main li même pour capable permettre autorité canadienne yo rivé sous Jimmy Danger. Ami pa gen nou yon k'ap gade vidéo ça, m pense ki t'es capable à imaginer que l'église t'a impliqué nan mete pays d'Haïti nan sa lié là. Ça veut dire nan van bandi zam avec cartouche pour pile l'argent pour capable faire kidnapping, pour capable touyer gen ap touyer moun nan pays an la. Incroyable mais vrai mes chers amis. DCPJ finalement joine c'est l'église épiscopale d'Haïti Cap Van ISO zam ensemble avec cartouche avec l'homme sans jour base 400 maozo. Est-ce que nous tendez bien ça me dit nous rale ti chaise nous en regardez et tendez ensemble avec moi. C'est la date 14 juillet 2022. Agent de lutte contre trafic stupéfiant BLTS, yon entité dans DCPJ, accompagné agent douane dans cadre yon fouille réalisé dans plusieurs conteneurs qui étaient rivés dans Caribbean Port zone La Saline, découvrit yon cargaison zamak munitions qui rentrait sous couverture franchise l'église épiscopale d'Haïti. Yon fouille qui permet à agent yo découvrir 18 fusils d'assaut AK-47, Galil M4, yon fusil calibre 12, 4 pistolets calibre 9 mm, plus passer 20 000 cartouches différents calibres, 120 chargeurs, yon viseur ak faux billet qui évalué à 50 000 $ américains. Tout de suite, Bureau Affaires Financières et Économiques BAF, yon structure dans des CPJ saisi dossier a, et puis commencer mener enquête sur lui. Trafic d'armes et munitions, faux l'argent, contrebande, fraude et évasion fiscale, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, infraction grave, abus confiance et association malfaiteur contre l'État haïtien, c'est nature enquête là. Affaire Silla qui impliquait Gina Jean-Louis Rolls, Sikumbuzo Voudla, Alan Dorsey, Alert Isaac, Franz Cole, Samson François, Lovni Louis-Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lédor, Rubens Villemont, Jean Madocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica et Cléberson Jules ak lot individu encore. Nan date 15 juillet 2022, la police arrêté Gina Jean-Louis Rolls qui s'est broke dame sa a te gen pour recevoir conteneur yo. Nan audition, li déclaré la travail pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années. Et puis fait connait que c'est père Franz Cole, secrétaire exécutif diocésain EEH là qui t'a contacté. Après elle t'a fin boudé plusieurs invitations baf, père Franz Cole alias Fanfan joint arrestation 17 août 2022 pendant il t'a vinn répondre fois ça question enquêteur yo. Alors que Jean-Gilles Jean-Marie qui c'est comptable l'église épiscopale d'Haïti t'a pral joint arrestation le 22 d'août. Comptable là t'a signé plusieurs documents sortis 2017 privé 2021 pour autoriser décaissement l'argent sorti sous compte l'église là pour joindre un trafiquant d'armes international qui relait Sikumbuzo Voudla, un Zimbabwéen qui c'est chef opération l'église épiscopale.
Enquête Bafla révélé gain plusieurs transactions qui fait chaque mois sous compte bancaire africain trafiquant international ça. Chaque dépôt qui fait gain un montant pour plus petit $30,000. Une série transaction EEH pas qu'à justifier dans qui objectif comme ça aller joindre vous de là. Samedi 21 janvier 2023, dans cadre d'une opération, la police rivée mettait en barcode suite à un avis de recherche Rubens Villemont pour implication présumée dans dossier ça. Individu ça, t'es pas mis monde qui t'es gain pour recevoir un conteneur zam et c'est Fernand Jean-Pierre qui t'a envoyé sous nom Rubens. Enquêteur Bafio cap travail, la journée coule en nuit, rive permettre la police mette en bas code, Kléber Jules ak Dianika Jules, deux cousins ak cousine sa yo, c'est principal moun qui responsable pour faire transaction bancaire pour Zimbabwean, si Kumbuzo Voudla. Fok nous dit tout, si Kumbuzo Voudla te révoqué depuis 2018, nan audition responsable l'église épiscopale yo, yo déclaré à clair que l'église n'a pas gain aucune relation avec trafiquants d'armes africains. Et pourtant, dans perquisition qui était faite dans zone côté malfrats ça t'a caché, enquêteur ont découvert plusieurs documents franchise douanière, papiers vierges qui gain en tête l'église là, sans compter machine que africains a utilisé pour circuler qui enregistré sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Pour ça qui gain ouais avec Père France Cole, secrétaire exécutif diocésain l'église épiscopale d'Haïti, enquête bafla montré à clair degré implication li nan utiliser franchise douane d'église là pour faire zamaka touche rentrer illégal sur territoire pays d'Haïti. D'après rapport enquête Bafla, Père France Cole, il y a plusieurs comptes bancaires Haïti quoi à l'étranger, parmi eux, une gon gros somme l'argent américain sans compter l'autre bien li possédé tant qu'au plusieurs cailles. Yon l'autre bon, il y a évidence qui prouvait Père recevoir un chèque chaque mois environ 300 000 goudes qui sorti dans palmarès haïtien. Rapport enquête là allait plus loin pour confirmer que ça gagne plusieurs années depuis responsable dans l'église épiscopale d'Haïti a utilisé couloir institution pour faire trafic zam pour faciliter marchandises yo rentrer présumé complice utiliser divers ports commerciaux dans pays a parmi l'autre Lagonave Port-au-Prince ça dépend destination cargaison en pile fois conteneur zam sa yo est stocké dans l'école dans capitale là pendant la journée avant yo transporter yo dans mi-temps la nuit dans zone Kafou Marassa dans commune Croix des Bouquets. Rapport Bafla révélé tout réseau trafiquant zam l'église épiscopale là gien connexion avec certains gangs qui opèrent dans capitale là tant qu'au village de Dieu Torsel et La Trier. Pour prouver information ça après arrestation Père France Cole, yon avocat qui te commencé faire des marches pour PA, c'était tout avocat chef gang crasé barrière invité l'homme innocent. Mettez sous ça l'OVNI Louis Jean qui impliqué dans dossier a habité dans fief chef gang invité l'homme innocent. On continue engager nous la bataille. Bataille contre sécurité, bataille chaque jour contre bandit. Toute qualité bandit. Comme je dis, bandit avec sapate, tant que bandit avec cravate. Nous n'avons pas besoin de peur. Depuis que nous mettons la loi avec nous, règlement institution avec nous, pas de capitaux. Quel que soit ça qui passe, son bagage qui est éphémère, mais victoire, c'est pour la police, là, c'est pour la loi, c'est pour règlement institution. N'a noté ce troisième rapport enquête BAF produit sur dossier cargaison ZAM, l'église épiscopale d'Haïti. Déjà gagnant dizaine moun la police arrêté sans compter divers mandats internationaux qui lancé. Force Radio continue à chercher plusieurs lots tant que Père Fritz Désiré ak Père Jean Madocheville. Quant à Zimbabwean, si Kumbuzo Voudla, trafiquant international ça, DCPJ à travers BAF a cherché li surtout dans grand sud pays a, Grand-Anse, Nip, Sud ak Sud-Est. L'autre nouvelle encore qui a dominé l'actualité à mes chers amis, gagne Jimmy Danger qui gagne show là qui relé Oye Show. Nèg ça qui pa gen moun nan li pa frappé sur réseau an. Nèg ça pa gen moun nan li pa salambé sur réseau an. Et bien monsieur capable nan gros courir nan jou k'ap vini yo là. Après monsieur lui-même ak bouche li fait konnen son show gagnen. C'est des show li vivant li capable prendre l'argent nan men tout moun pour faire promotion pour yo. Et dernier dossier qui a dominé actualité en là, c'est promotion monsieur t'a prend gros l'argent dans mes chefs gang Izo pour t'a faire promotion pour lui. Et bien dossier ça gagné et animateur Hervé La Plante tandis La Plante qui déjà prend dossier ça en main et t'a déjà arrivé bon côté autorité canadienne yo
pour faire part des dossiers ça, parce que nous connaissons le pays Canada dans ce moment-là. On parle quatre personnes qui sont impliquées dans cause gang dans le pays d'Haïti de près ou de loin. Il y a sanctionné et pas oublié Jimmy Danger lui-même la vivant dans le pays Canada. Si tout bon, Jimmy Danger t'a gagné un quelconque lien ensemble avec un base en 5 secondes. Soit tu prends l'argent pour faire promotion pour les vos musiques pendant que le connaît monsieur c'est un gros kidnappeur. Ça qui arrivé dans jour qui venir là, nous Jimmy Danger dans gros courir.